On ne parle plus de Jovenel. Pas qu'il y a fait Jovenel qui existait. Il n'y a pas de leader qui parle de Jovenel Moïse. Il n'y a pas de discours qui parlait de Jovenel Moïse. Pas rien qui parlait de Jovenel Moïse. Du tout, du tout. Donc Jovenel est mort. Jovenel, c'est déjà le passé. Le présent, aujourd'hui, c'est Ariel. Le présent, aujourd'hui, c'est Foot. Le présent, aujourd'hui, c'est c'est Lambert. Le présent, aujourd'hui, c'est Magali Komodoni. Le présent, aujourd'hui, c'est André Michel. Jovenel, c'est le passé. Mais vous remarquez, dans ce présent, il n'y a pas de Michel Martelly. Dans ce présent, il n'y a pas de Lubéry, sinon c'est de la tweet. Dans ce présent, il n'y a pas de personnalité politique liée à Jovenel et au PHTK qui occupe, nous avons dit, sphère politique là. Je me posais peut-être ma question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prise de pouvoir détournée. Sans nous rendre compte, il y a pris le pouvoir. Et non mais PHTK, et non mais Jovenel. Il prend pouvoir. Mais pouvoir pour qu'on maître, même si on prend pouvoir politique pour qu'on maître. Mais c'est le seul maître à bord. Aujourd'hui, c'est Ariel. Maintenant, il faut éliminer Ariel à tout prix. En ce sens-là, qu'est-ce qui a été fait? Une plainte a été déposée contre Ariel. Au parquet du Port-au-Prince. Par le RNDDH. Une deuxième plainte. Il y a eu une deuxième plainte là. Contre. Il a dit, suivez-moi, mais faut que je joigne justice. Ennemi Jovenel, qui se vive à Haïti, bureau DJ avec Ronny Timothée, qui sont les ennemis jurés de Jovenel Moïse. Négo utilise un subterfuge politique. Yo poton plainte contre Ariel Henry et puis ils ont dit besoin de justice pour Jovenel. Donc ils ont porté plainte par devant le commissaire du gouvernement. Ce commissaire du gouvernement qui a été nommé par Jovenel l'obligeait à recevoir et bah Jovenel justice. Mais ce sont les ennemis politiques de Jovenel. Qui portait bagarre là? Allez, donc, le commissaire du gouvernement, pas capable de recevoir. Maintenant, le commissaire du gouvernement, M. Christian, nous fait droit. M. Prendossia, M. Gaye, trois comportements pour le gain. M. Noura, nous deux fait droit. Nous. Même pas qu'il était dans le droit net, dans la science politique d'Aïdak. Soit le classé dossier. Sans suite. Soit. Il déclenche une procédure. Il transfère dans le cabinet d'instruction. Il va au juge. Ou au troisième encore, monsieur lui-même. Invité Ariel. Donc, le commissaire du gouvernement est aujourd'hui en présence d'une nouvelle situation. Côté monsieur Abchaché. Pour agir sous dossier. Mais, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'affaiblir Ariel en utilisant des mécanismes juridiques contre Ariel et pour mettre le commissaire gouvernement en difficulté. Et parmi les trois possibilités, il y a une d'entre elles qui est un peu très difficile. Laquelle? Classer sans suite, là, c'est lui-même qui a mis le commissaire là. Peut-être Marconnet en situation difficile. Au contraire. C'est trois possibilités. Non, il est possible. Non, il est possible. Et pas le capital. Faut interpréter ou l'autre gens. Commissaire du gouvernement, vit nos outils de pression. Amen. Ouais. Les outils de pression. Amen. Côté Koundia là, il a gardé le premier ministre là, en face. Parce que le premier ministre Koundia. S'il révoquait monsieur, pas oublié, non? Gemoun Gabdi, c'est de manière illégale. Gemoun Gabdi, c'est une révocation politique. Donc, plein de potéas, ils mettaient
commissaire gouvernement en difficulté, yo mette Ariel en difficulté. Yo pral forcer Ariel faire alliance à commissaire gouvernement. Son bail comme si son bail extraordinaire m'a réfléchi sur lui. Eval, à ce comprendre. Alors, par contre, je peux mettre. Oh, si je peux mettre tout, mettre. On allait. Et pour moi-même, en fait, plein de hypothèses, je ne peux pas mettre Ariel en difficulté. Et pourquoi? Parce que justement, la fonction est protégée. Pourquoi? La fonction du premier ministre est protégée. Dans. Parce que, mais ça qui passe. Non, non, dans une situation. Dans une situation démocratique. Dans Mexico, Gary. Dans une situation normale, dans une situation démocratique. Gary. Supposons que le commissaire du gouvernement décide d'éviter Ariel. Ou bien de transférer le dossier par devant un juge d'instruction. Il doit protéger un palier. Mais ça va mettre à mal Ariel 1. Deuxièmement, ça va faciliter le déclenchement d'une certaine hostilité politique, de la classe politique par rapport à Ariel. Donc, c'est pas que Ariel n'est pas protégé, donc. Protégé par qui ça? Même président protégé. Mais la protection de Kedler. Il peut pas la protection de Kedler qui a l'immunité. Mais monsieur Vintin, pas que rien qu'a fait Kedler là, pendant l'immunité là. Il n'y a pas qu'à faire l'œil, mais ou regardez pour eux, ça qui rivait dans l'opinion, c'est comme si il est sans protection. Tu vois, il va se dire. Moi, je suis dit. Aroma qui m'a dit Ariel, comme citoyen, comme individu à protéger, je dis que la fonction qu'il occupe assure sa protection. Parce que justement, Gary, c'est vrai que nos situations d'exception, côté que. Ou pas de possibilité pour évoquer des textes, que ce soit des textes constitutionnels, que ce soit des textes légaux. Mais Ariel Henry, la fonction est protégée au nom de l'intérêt général, parce que jusqu'à présent, le PIM qui gagne comment le pays en amène, il gagne au nom de l'intérêt général, l'a pas assuré la continuité de l'État. C'est vrai que moi, je suis d'accord que nous sommes dans une situation d'exception. Ou en situation explosive, inquiétante. Mais maintenant, pendant que l'occupé fonctionne, pendant que l'ILA pour assurer la continuité de l'État, un commissaire du gouvernement n'a pas qu'à décider. Maintenant, moi d'accord avec l'aspect, quand par exemple vous dites que opinion, vous cap chercher ruiner, monsieur. Non, je d'accord c'est sur ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je d'accord sur ça. Mais. Sur le plan légal, à ma compréhension des choses, je ne sais pas si le commissaire du gouvernement a une pression. Il a fait ça. T'as dit bien, oui. Ou ça me dit. Il y a le plan légal, il y a le plan politique. Mais soit admettre, soit possibilité. Sur le plan légal, strictement légal, pas de rien, le commissaire du gouvernement a fait à Gel. Pas de rien en termes de pression, le cabaye. Mais ça veut dire soit vous le monsieur le pas capable. Bon, il pas capable. Bonjour. Qui ça commissaire gouvernement? C'est ça que fait. Je suis en train d'analyser le côté ou l'aspect caché de cette plainte de Vive Haïti. Ouais. Mais d'un papa là, on dit Timothée. La première démarche à faire par le commissaire du gouvernement. Le commissaire va écrire à Natcom et à Tichel pour regarder où le relevé téléphonique, monsieur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Regardez, son bail est très dangereux. Et puis, Natcom, il y a deux possibilités. Ablier, non, il y a deux possibilités. Parce que le commissaire gouvernement a droit. Ok, deux possibilités. Une pour la première possibilité. Tchap, yo, ouais. Monsieur parlé avec. Badjo. Avant, pendant et après. Et après. Le commissaire du gouvernement dans sa fonction. Dans un pays aujourd'hui. Côté la loi a existé. Côté la force est dirigée par la politique. La force. Et d'avait dit comparer avec la politique. Et puis, le commissaire argumente
et invite le Premier ministre sous base de l'information que le gagne, il dit Premier ministre, vient parler avec moi. Vient dire ça qui passé. Parce que il dit yo moins wa t'a parlé. Cette information pral font scandale, pral font boum. Exact. La classe politique de son ensemble et nous autres de la presse, nous autres, nous allons demander, ou qui n'a pas demandé nous-mêmes, au Premier ministre Ariel Henry de démissionner et de se mettre à disposition de la justice pour lui capable d'expliquer celui qui a été identifié comme étant l'assassin du président. Et puis, et où tu as parlé avec avant, pendant et après. D'ailleurs, vous avez déjà dit, mais d'accord. Alors, avant d'accord, entre Val. Mais d'accord. Non, même ligne, avant entre Val. Donc, écoute, c'est toute la finesse de ce dossier. Parce que c'est là, oui, sans intérêt à regarder. Pour être un peu confiné, non? Sans intérêt à regarder. Dans le deuxième cas. Dans le deuxième. Vous regardez, commissaire gouvernement, pas joindre rien. Ok, suis-moi bien. Mais là, il va jouer dans rien. Il sort son communiqué pour dire suite à Paris, ça n'a pas été porté. Il va jouer dans le classé. Pierre Espérance Moury. Pierre fini. M'a demandé nous-mêmes, la presse, la question du cap demandé pour Pierre quitter la NDDH. C'est pas si mal, non? Qu'a passé là? Faut nous prendre la dimension. Parce qu'il s'agit de la mort du président de la République. Qu'on y a troisième balle qui est arrivé. Ça peut même nous dire avec Badiou. Dans l'historique de son téléphone. Faut regarder pour depuis combien de temps bien avec. Si monsieur est lié à tout leader politique de Badiou, monsieur est dans une pratique pour parler de téléphone avec toutes les gens, y compris Paul Denis et l'autre. Donc, si ma précaution, moi fais un bagaille qui passe ça. Et puis yo ouais, m'a parlé avec Val, Campagne, Marco. M'a parlé avec Nixon. Bon, moi me dis bah, si m'konn parle avec nous tout le temps. Si m'konn parle avec nous tout le temps. Jour ou événement privé, nous dans tête on continue à parler avec nous. Faut me connait qui ça moi étape dit. Donc, son situation extrêmement grave, une situation politique qui est capable de permettre à certains monde exploiter plein de kipoteo, et vraiment, le commissaire du gouvernement aujourd'hui, c'est un monde qui est capable d'éclater la République. Dans l'action la posée, il peut faciliter un dénouement, un dénouement. Qui a un niveau côté acceptable, monsieur capable tout, entamons en procédure, côté pays à genoux, et que vous relancez le débat autour de l'assassinat Jovenel là, sans que moi-même ne puisse évoquer l'acte saint de l'assassinat. Okay. Donc, ça me dit tout à l'heure, je vais essayer, c'est que je pense dans plusieurs phases que vous avancez là-haut. Ou prend angle politique là, va te parler de aspect légal là. Mais gain de action que l'a posé cap légal. Jean Rousseau dit JPPC fait demande auprès de NAT comme Digicel son action qui légale. Mander ou lever téléphoniquement son action qui légale. L'elfine joigne. Imaginez. Li pa ta dit que yo pa ta parler. Yo joigne que yo t'a parlé pendant un nombre de temps, même yo conférence de presse que commissaire Lanka baille à pays pour dire que n'a comme Digicel yo joigne premier ministre t'a parlé avec Badjo 72 fois par exemple. Et puis il t'a prend dossier ça, il voye ba un juge d'instruction. S'il classe sans suite, grand pile moun k'ap tout dit que Jovenel pa joine justice vrai monsieur parce que premier ministre t'a dit Badjo c'est 100,000 mais nèg yo font Jean yo dit yo pas de joindre ta parler dans le téléphone. Et s'il voyait bail au juge d'instruction, qui lui-même, d'ailleurs, faut ne pas faire illusion. Yon juge d'instruction
ou est depuis c'est sous base, il y a des faits dans mail, il est capable de reler n'importe qui nous poser la question. Juge d'instruction, si commissaire là, comme chef de la poursuite, mandé relevé téléphonique, li joue relevé téléphonique, li voyé dossier en bas au juge d'instruction pour mener enquête, juge d'instruction qui attendait Pierre Ariel Henry. Bon monsieur, attendez-nous, oui, attendez-nous. Fuck, Ariel t'a connu que Badiou t'a pas participé pour le président. S'il pas connu, il a toujours pas la veille, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Est-ce que le te connaît complot à fait? Il ça fait les oui, donc, l'appel est important, c'est vrai. Mm-hmm. Mais ça plus important, c'est qui ça yo tap dit. Exactement. Hein? Qui ça yo tap dit. Mm-hmm. Bon, gon l'autre aspect encore, excusez-moi, pour m'évoquer dans même ça. Mm-hmm. Ariel Poko, premier ministre, puisque vous pouvez même installer. Mm-hmm. Ok? Vous pouvez même installer. Donc, dans toute information, il y a des bagages qui sont préparés depuis longtemps. Donc, et si Ariel n'était pas là avec nous? Et si Claude n'était pas là, c'était un ami Badiou? Bon, et si Jovenel était un rapport avec Badiou lui-même? Oui. Sous téléphone de Jovenel, il était ouais qu'elle était parlé avec Badiou. Donc, ah, c'est ça, bien. Les numéros de téléphone ou bien les appels reçus ou bien les échanges, ils sont importants, c'est vrai, mais l'essentiel. Il disait quoi? Il échangeait sur quoi? Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, c'est des bagages extrêmement sensibles et ça mettait tout pour dire commissaire gouvernement, pas de droit, agit de manière trop active. Folie calculer parce que là, capable de piège politique, et faut commissaire gouvernement connaît toute destitution ou d'élimination d'Ariel. Entraînerait automatiquement la mise à pied du président parce que de bon régime, du gouvernement de bon régime monter là, vous trouvez le commissaire gouvernement aller. Alors, le commissaire du gouvernement est accusé parce que le Québec militant politique. Alors il est soutenu. Je pense que c'est monsieur soutenu quelque part. Parce que l'autorité de révocation là, c'est le ministre de la justice. Oui, c'est le ministre de la justice. Maintenant je pense que dans le cas commissaire gouvernement, maintenant si un clash entre PM Ariel Henry et le ministre de la justice, et qui apparemment, selon Sanap Vive, dans le dernier temps, on a embrassé le dossier dans la question de justice pour le président Jovenel Moïse. Nous, c'est le mini-justice qui a posé un ensemble d'actions. Moi, penser sur le plan politique, si il y a un clash dans le gouvernement entre un ensemble de ministres et PM Ariel Henry, là, le dossier a tout résoudre dans le sens que mettez PM Ariel Henry devant un fait accompli. Un bail, démarche la plus politique que juridique, démarche nèg va faire. Exactement. Plus politique que juridique, parce que nèg ça on pas besoin de justice vraie pour Jovenel. Vous comprenez? Il y a justice vraie pour Jovenel. Ouais, monsieur qui déposait plus. Oui, il y a pas besoin de justice. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a besoin plus accusé Ariel. Ouais. Sans raison en plus, sans dire là, puisque la démarche est éminemment politique, sans raison en plus, qui fait que justement, dans le contexte que Nila Gary, commissaire du gouvernement, il n'est pas capable by premier ministre Ariel pression. Il n'est pas capable. Parce que bon bagage qui est fondamental pour que nous souligner. Et le dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse, de l'ancien président Jovenel Moïse, est déjà transféré en fait au cabinet d'instruction. Dossier a déjà transféré au cabinet d'instruction. Donc, transfert dossier au cabinet d'instruction traduit clairement que le commissaire n'a pas gagné. Donc, présentement, pendant le dossier, parce que la juridiction d'instruction, c'est une juridiction autonome. Plainte qui déposée devant le cabinet, et moi-même d'accord avec. Ancien député Alfredo Antoine, qui m'a profité de saluer, capitaine. Le commissaire a gagné l'autre bagaille pour le faire transférer le dossier devant dans le cabinet d'instruction. Plein de bagaille là. Parce que le dossier, ça, il est envoyé le côté pour le voir, puis il est. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, on est en situation côté que la politique tient en état de droit. Si
si commissaire du gouvernement pas qu'on est ta gon loi dans tête li qui monte il côté le ta gain intention comme si c'est pression pas qu'on est qui forme da en fait de manœuvre de stratégie pour utiliser il y a révoqué l'automatique puisque chef hiérarchique commissaire du gouvernement moun ki gen contrôle commissaire du gouvernement c'est un membre du gouvernement le ministre de la justice qui gen pour chef hiérarchique li le premier ministre donc ça veut dire commissaire du gouvernement monsieur son petit bébé li là li pa gen moyen n'ta ka di pa gen ken moyen légal nan mel pour le persécuter au contraire faut le bien jouer s'il pas bien joué à mettre la terre. Alors, si vous pouvez mettre Val, dans la mesure où il y a harmonie entre supérieur hiérarchie, commissaire non. Gouvernement et le premier ministre, parce que, on va bien Val, sur le plan politique, si le premier ministre en harmonie avec ministre de la justice, ministre de la justice qui a révoqué commissaire là, dans la mesure où pas de harmonie entre eux, c'est où après que commissaire en cap font action comme c'est ministre de la justice qui capable révoquer lui qui doit pas révoquer parce que là ça connie on pas besoin ça là encore on imagine que si premier ministre Ariel besoin révoquer ministre de la justice lui même pas d'accord comme si il y a un échange entre eux maintenant connie ou qu'on ou comprendre que ministre de la justice en train sauter commissaire facilement non ça dépend dans la législation haïtienne. L'autorité de nomination et de révocation est le premier ministre. Le ministre n'est pas l'autorité de nomination. Elle n'est pas non plus. Il n'est pas non plus l'autorité de révocation. C'est le premier ministre. Dans la législation, il s'est dit ça, oui. Mm-hmm. Ça veut dire, je dis à commissaire du gouvernement, encore une fois, ma broudille. Mais c'était déjà saisi le dossier. Automatiquement que le dossier arrive dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas rien à voir à le dossier. Sauf si ça arrive, oui, il y a un bagage. Si par exemple, au cours de l'instruction, puisque je dis encore, la juridiction d'instruction est autonome. Et il y a des juristes qui avancent pour dire que l'IPAP travaille pour le parquet pendant la cour d'instruction, même si il y a l'autre cour qui pensait que donc cabinet d'instruction travaille pour le parquet parce qu'il y a plusieurs écoles sous ça. Maintenant ça arrive en seul cas, ça arrive en situation où que donc le juge